Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes très heureux de vous retrouver en compagnie du nouveau Touareg, une toute nouvelle génération, la troisième, qui évolue beaucoup, déjà parce que la plateforme est nouvelle, elle reprend celle de l'Audi Q7 et du Porsche Cayenne, mais aussi parce que ce nouveau Touareg est beaucoup plus grand, il gagne 8 cm en longueur, donc plus grand, mais plus léger d'une centaine de kilos par rapport à l'ancien modèle. Alors ce nouveau Touareg sera commercialisé en France à l'été 2018. Sous le capot, on trouvera des moteurs V6 et peut-être même un V8 diesel. Et un peu plus tard, un moteur hybride rechargeable. Côté style, le nouveau Touareg affiche un look plus dynamique que l'ancien modèle. Il y a aussi pas mal de nouveautés, comme des roues arrière directrices. Mais vous allez voir que le plus gros des modifications, des nouveautés, se trouve à l'intérieur. L'ancien Touareg, c'était ça. Le nouveau, vous voyez, ça change complètement. Alors le plus impressionnant, c'est la taille des écrans, les deux grands écrans qui sont juste devant vous. Il y en a un de 12,3 pouces, donc qui remplace les compteurs traditionnels. Mais le plus impressionnant, c'est l'écran du système multimédia, 15 pouces. C'est pratiquement du jamais vu dans l'automobile, sauf peut-être chez Tesla. Il permet de commander toutes les fonctions de la voiture, de la climatisation au GPS, mais aussi tous les réglages de la voiture, les ambiances lumineuses. Donc ça, c'est vraiment bien. Sinon, on a une qualité de fabrication qui est quand même de bon niveau. On est vraiment sur des véhicules premium. On est bien installé. Disons que c'est vraiment sur cet intérieur que le Touareg se démarque beaucoup de l'ancien modèle.